ce premier tutoriel recette. Aujourd'hui, je vous propose un plat chaleureux pour les saisons froides et très rapide à faire. Le gratin à la courgette et aux ravioles du Dauphiné. Concernant les ustensiles, il vous faudra un couteau, un plat à gratin, idéalement rectangulaire et grand, le mien fait 20 cm par 30, une mandoline, un récipient. Concernant les ingrédients, vous aurez besoin de 4 courgettes bien lavées au préalable, 2 briquettes de crème fraîche, selon moi non liquide, c'est mieux, 2 barquettes de ravioles du Dauphiné contenant chacune 4 plaquettes de ravioles, un sachet de fromage râpé, du sel, de la muscade et du poivre. Tout d'abord, préchauffez votre four à 210 degrés en chaleur tournante. Coupez chaque extrémité des courgettes, puis émincez-les très finement à l'aide de la mandoline. Dans votre plat à gratin rectangulaire, videz l'une des briquettes de crème fraîche de façon à recouvrir le fond, puis déposez-y une partie des courgettes. Assaisonnez avec la muscade, le sel et le poivre selon votre goût, puis recouvrez avec 4 plaquettes de ravioles en les disposant les unes contre les autres. Dans mon plat, tout rentre pile poil, et ça, c'est beau. Répétez l'opération une nouvelle fois. Courgettes, assaisonnement et ravioles. Enfin, pour la dernière couche, recouvrez le tout de crème, de courgettes et de fromage râpé, sans modération. Enfournez pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné et doré. Bon appétit, ciao ciao!